Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser efficacement ton clavier sur iPad. Pour ce faire, je vais aller dans une application de traitement de texte, donc dans Pages. On voit que j'ai un texte à l'écran et mon clavier qui apparaît dans le bas. Sur le clavier, on remarque qu'en haut des lettres, il y a des chiffres qui apparaissent en gris et certains symboles. Pour ces chiffres ou ces symboles rapidement, il suffit de glisser le doigt vers le bas pour voir apparaître le symbole ou le chiffre sélectionné. Vous pouvez également appuyer ici à gauche sur 1, 2, 3 pour voir apparaître les chiffres et le clavier des symboles. Si les symboles qui apparaissent ne vous conviennent pas, vous pouvez également appuyer sur le dièse, le plus et le égal pour voir plus de symboles. Pour retrouver le clavier avec les lettres, il suffit d'appuyer sur ABC. Il est également possible d'avoir les lettres majuscules en appuyant sur les flèches. Donc, à ce moment-là, le clavier se transforme en majuscule. Il est encore possible d'effectuer des chiffres ou des symboles rapidement en glissant le doigt vers le bas. Pour obtenir des lettres accentuées, il suffit de maintenir le doigt sur la lettre qu'on veut accentuer, donc par exemple le E, et de sélectionner l'accentuation désirée. Dans le bas du clavier, on remarque également un bonhomme sourire qui me permet d'aller ajouter des émoticônes ou également des mémojis. Dans le bas du clavier, on a également une touche avec un micro. Quand on appuie, ça nous permet d'activer la dictée est maintenant activée. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur le clavier. On voit que mon texte s'est affiché au fur et à mesure que j'effectue ma dictée. Il est aussi possible de modifier l'aspect de notre clavier. Donc, pour ce faire, on va aller à droite, appuyer sur le clavier et en maintenant enfoncé, il y a un menu qui va nous apparaître. Il y a trois options. Donc, la première, c'est détacher. Donc, on remarque que le clavier, à ce moment-là, remonte dans l'écran, donc se décale par rapport au bas de l'écran, mais il prend encore beaucoup de place. Je retourne à droite, je maintiens et je sélectionne Dock dans les options pour ramener mon clavier vers le bas. Je retourne dans le menu et je choisis l'option maintenant Dissocier. Donc, à ce moment-là, le clavier se sépare en deux. Pour le ramener ensemble, je retourne dans le menu et je sélectionne « Ancrer et réunir ». Je peux effectuer la même chose en utilisant mes deux doigts sur le clavier et en séparant mon clavier avec mes doigts. Pour le remettre ensemble, il me suffit d'utiliser mes deux doigts et de les rapprocher pour remettre mon clavier ensemble. Maintenant, je retourne dans le menu et je sélectionne « Flottant ». C'est l'option que je préfère parce qu'on vient de maximiser l'espace pour le texte et de minimiser mon clavier dans l'écran. Donc, je vois bien ce que je suis en train d'écrire. Il est également possible de déplacer le clavier pour avoir une meilleure vue. Si je désire remettre mon clavier comme il était, en plein écran, il me suffit d'utiliser mes deux doigts et d'agrandir le clavier avec mes doigts et automatiquement, il va revenir à sa place. Voilà, c'était comment bien utiliser son clavier sur iPad.